Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir et pour la troisième fois Théo et Thomas. Et cette fois-ci, ils joueront face à Séverine et Sandrine. Et tout de suite, accueillons sur ce plateau notre Thierry National, Thierry Beccaro. Eh ben voilà, je suis là. Je suis là, très heureux de vous retrouver, en espérant que tout se passe bien. J'espère que la journée a bien débuté, et bien elle va continuer. Et c'est le moment où on commence à s'amuser, voilà, sur France Télévisions, sur France 2. Voilà, on va commencer par Motus, comme tous les jours de la semaine, avec Théo et Thomas, qu'on a le plaisir de retrouver. C'est la deuxième, la troisième fois pour vous, messieurs. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau cagnotte ? Zéro. Ah ouais, ouais, ça c'est pas, c'était peut-être pas la question à poser tout de suite. Bon, eh ben, là-bas, il va falloir œuvrer pour gagner un peu d'argent, quoi, aujourd'hui. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, Théo et Thomas. Je vous présente Sandrine et Séverine. Elles pourraient chanter, hein, ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes deux sœurs jumelles. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes nées sous le signe des Gémeaux. Non. Mais je suis ravi de vous retrouver, en tout cas. On s'était vu il y a combien d'années ? 3 ans ? 3 ans. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Séverine ? Moi, je suis juriste dans une banque. Et à quel endroit êtes-vous ? À Nantes. À Nantes. Sandrine, vous êtes dans la même région ? Oui, la Vendée, La Roche-sur-Yon, et je suis assistante dans une école d'ingénieurs. Parfait. Et ben, voilà. C'est un plaisir de vous retrouver et de jouer avec vous. Et comme vous connaissez bien l'émission, vous savez par quoi on commence ? La distribution des grilles. C'est parti. Alors, vous aurez droit à un numéro magique, c'est le numéro 23. Si vous tombez sur ce numéro, vous jouerez quand même, même si vous prenez une boule noire. Thomas, Théo. Ça, c'est pour vous. Et le numéro magique, c'est le numéro 46. La cagnotte est-elle magique aujourd'hui, Myriam ? La cagnotte est magique, Thierry, puisqu'aujourd'hui, elle s'élève à 3000 euros. Séverine, 3000 euros si vous allez jusqu'au bout de cette émission. Séverine, nous jouons avec des mots de 8 lettres. Des mots de 8 lettres. Eh bien, comme tout est prêt, vous pouvez y aller. Bonne chance. Merci. Taboulé, T-A-B-O-U-L-E-T. Ah oui, ça c'est un petit compromis entre le siège, un tabouret. Mais ça s'écrit. Et puis le taboulé, vous savez, espèce de petite salade. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est le taboulé qu'on mange assis sur un tabouret. Oui, ben c'est ça. Ah oui, E-T, non, ça ne va pas le faire, là. Désolé, Séverine. Donc, continuons avec Thomas, la lettre bonus, la voici. Talisman. T-A-L-I-S-M-A-N. Touriste. T-O-U-R-I-S-T-E. Tableur, T-A-B-L-E-U-R-S. Tréfonds, T-R-E-F-O-N-D-S. Trébucher, T-R-E-B-U-C-H-E. Tableau, T-A-B-L-E-A-U. Bon, alors, il semblerait que vous ayez, alors, vous soyez parlé. Voilà, donc on ne dit rien dans la première partie. Pardon, on va laisser Séverine conclure avec la lettre bonus. Voilà. Tableau, T-A-B-L-E-A-U-X. Voilà. Donc, je précise, hein, Thomas, Théo, nous sommes reliés et on entend tout. Voilà, Olivier, qui valide les mots, entend tout ce qui se passe sur le plateau. Donc, je le rappelle pour tout le monde, on ne parle pas pendant la première partie. Vous mélangez, Séverine, s'il vous plaît. Le 11. Sandrine. Le 3. Alors avant de jouer Sandrine, on va revenir quand même, puisqu'on a plaisanté sur le fameux taboulet que vous nous présentiez. Je voudrais qu'on revienne sur le mot taboulet,
Myriam, d'abord, qu'est-ce que taboulé c'est? Taboulé et, effectivement, et voilà. Tabouret, puisque vous évoquiez le tabouret avec ET à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le taboulé, c'est quoi? C'est, ouais. Une, c'est une sorte de salade, normalement, bah oui. Avec du persil. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que du ou persil. Ou du blé concassé. Voilà. C'est du persil avec un petit peu de tomate concassée, mais le vrai taboulé, c'est avec du persil. D'accord, très bien. Vous voyez, grâce à vous, on apprend plein de choses. C'est ça. Merci Sandrine, merci Séverine. À vous de jouer Sandrine. Voici la lettre H. Où c'est? H-O-U-2-S-A-I-E. Honteuse. H-O-N-T-E-U-S-E. Harmonie. H-A-R-M-O-N-I-E. Houlette. H-O-U-L-E-2-T-E. Et ça vous fait 100 points, Séverine. Vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. Le numéro 5 rapporte 100 points de plus. Le 21. Sandrine. Ça fera une boule noire de moins, hein? C'est ce qu'on va dire. Alors, Thomas, nous cherchons un mot commençant par la lettre F. Fébrile. F-E-B-R-I-L-E-S. Fragment. F-R-A-G-M-E-N-T. Farouche. F-A-R-O-U-C-H-E. Fluidité. F-L-U-I-D-I-T-E. Factoriel, F-A-C-T-O-R-I-E-L. C'est trop long. Et c'est trop long. Il y a peut-être moyen de trouver le mot quand même, Thomas, c'est dommage. Ça sera plus facile évidemment pour Séverine qui va récupérer le T. Factrice, F-A-C-T-R-I-C-E. ...150 points à présent et plus, Séverine, si vous prenez le 5. ...23. Ah, numéro magique. Joli réflexe de Sandrine, ouais. Parce qu'il a failli disparaître. Le numéro magique, Séverine avait un peu oublié que le 23, c'était le numéro magique qui vous permet de continuer à jouer et à mélanger, bien sûr, Sandrine, allez-y. Le 5. Coup double, magnifique. Bon, Séverine, vous avez pris le numéro magique qui ne va pas servir à grand-chose, puisque vous venez de marquer 100 points de plus. Donc, nous allons changer les grilles et nous jouerons juste après avec vous, Sandrine. Cela dit, ce numéro 23, il a failli partir aux oubliettes, hein. De toute façon. Allez, nouvelle grille pour Thomas et Théo. Et nous cherchons toujours des mots de 8 lettres ce matin. Sandrine, c'est à vous de jouer. Aoutien. A-O-U-T-I-E-N-S. Amoindri. A-M-O-I-N-D-R-I. Abondant, A-B-O-N-D-A-N-T. Anomalie, A-N-O-M-A-L-I-E. Bravo, elle fait bravo, sœurette. C'est bien. Voilà, Sandrine et Séverine, hein, je vous le rappelle, sont sœurs, jumelles, si vous arrivez, si vous prenez l'émission en cours. Voulez-vous mélanger, Sandrine, s'il vous plaît? 37. Séverine. Non. Bon, vous avez une avance assez confortable, donc tout va bien. Maintenant, il faut marquer, Thomas. Thomas, voici la lettre M. Microbe. M-I-C-R-O-B-E-S.
Meuglant, M-E-U-G-L-A-N-T. Modifier, M-O-D-I-F-I-E-R. Morphine, M-O-R-P-H-I-N-E. Mousser, M-O-U-S-S-E-E-S. Matrone, M-A-T-R-O-2-N-E. Bon, sur mousser, ça a été compliqué, hein, donc vous avez droit à un petit carton, mon cher Thomas. Séverine, vous, vous avez droit à la lettre bonus, la voici. Alors, le mot que nous cherchions, c'était le mot matamor, dont vous voulez la définition, c'est volontiers. Ça? Alors Myriam, volontiers. Qu'est-ce que c'est que le matamor? C'est un faux brave, c'est un homme qui se vante d'exploits imaginaires. Voilà. D'accord. Et ça s'est fait, un mot de plus à replacer dimanche en famille. Sandrine, vous jouez s'il vous plaît, avec la lettre B. Boulet, B-O-U-L-A-I-E-S. Brigade, B-R-I-G-A-D-E-S. Brûlant, B-R-U-L-A-N-T-S. Boucher, B-O-U-C-H-E-R-S. Jusque-là, ça va. Allez, Sandrine. Bluffeur, B-L-U-2-F-E-U-R. Eh bien, bravo. Ah, la joie de Sandrine. Oui, c'était bluffeur, ouais, quelqu'un ouais. qui bluffe, quoi, qui raconte n'importe quoi ou qui... En fait, ça se dit quand on joue au poker. Ouais, c'est ça. Enfin, un coup de bluff. Voilà. On fait croire que... Et puis en fait, c'est pas vrai. Voilà, tout un ça, matamor, c'est... quoi. Un peu un matamor, absolument. Allez, vous mélangez, Séverine, s'il vous plaît. Le 43. Sandrine, le 63 rapporte 100 points. Le 13. Vous avez 350 points pour l'instant. Séverine, vous jouez avec la lettre C. Chocolat, C-H-O-C-O-L-A-T. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E. Colloque, C-O-2-L-O-Q-U-E. points, Sandrine. Allons-y. Le 63 est toujours disponible. Le 17. Séverine. Le 29. Et nous continuons. Et c'est vous qui jouez, Sandrine. Vous allez jouer avec la lettre P. Poulaine. P-O-U-L-A-I-N-E. Peintre, P-E-I-N-T-R-E-S. Plâtrier, P-L-A-T-R-I-E-R. Pastille, P-A-S-T-I-2-L-E. Perdurer, P-E-R-D-U-R-E-R. Pactiser, P-A-C-T-I-S-E-R. Eh oui.
Alors c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment appliquer les règles du jeu, c'est-à-dire bien regarder la grille et replacer les lettres au bon endroit. Il n'y avait plus que le S à placer. Hein. On se complète bien. Ben oui, non, c'est vrai. belle équipe. Sandrine, voulez-vous prendre ce fameux 63 dont je vous parle depuis maintenant 5 mots. 33. Alors, 53 ou 63 pour marquer 100 points de plus. Il y a même le 39. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça ? Oh, de toute façon, c'est l'heure du dernier mot. Donc, Ah oui, ça ne va pas changer grand-chose pour Thomas et Léo. C'est compliqué là pour vous. Hein. Bon. Pas grave. Mais attendez. Donc, pas encore trouvé le mot. Donc, oui, c'est à vous de jouer, Thomas. Allez-y. Rabougri. R-A-B-O-U-G-R-I. Répulsif, R-E-P-U-L-S-I-F. Rudiment, R-U-D-I-M-E-N-T. Remarché, R-E-M-A-R-C-H-E. Reverché, R-E-V-E-R-C-H-E. Reverché. Bon, écoutez, Séverine, la lettre bonus, et puis on conclut. Rempart, R-E-M-P-A-R-T-S. Ah, voilà, c'est tout. Bon, Léo, Théo, pardonnez-moi, je vous ai appelé Léo alors que je ne l'ai jamais fait pendant 3 émissions, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est vous applaudir très fort. Théo, Thomas, bravo. Et vous êtes tombés sur 2 candidates assez redoutables. Hein. Sandrine et Séverine, bravo Sandrine et bravo Séverine. 550 points dans la première partie. Les cadeaux, ce sera pour vous, messieurs. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Aimebagages.com, site de vente en ligne de bagages, vous offre cette élégante valise et son vanity case assorti. Bon voyage avec mes bagages. Allez. Quand on vous dit bon voyage, je ne sais pas qu'on a envie de se débarrasser de vous, hein, Théo. Attention. Hein. Bon, c'était sympa comme tout. Ouais. Bon, là, petit coup de fatigue. On a été mauvais. C'était là. C'est pas grave. C'est pas ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup joué. C'est que vous êtes tombé sur Séverine et Séverine. On a eu 3 fois la main, mais. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup. Vous allez m'accompagner en super partie dans un instant. D'accord. Il y a 3000 euros à gagner aujourd'hui. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 11 octobre à Grenoble, le 12 à Saint-Étienne et enfin le samedi 13 octobre à Lyon. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv, rubrique Motus. Sandrine et Séverine sont avec nous pour la super partie et il y a 3000 euros à gagner aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Mais oui. Et surtout, vous avez bien fait de bien jouer. Donc là, maintenant, il faut continuer. On se retrouve dans 4 minutes et 30 secondes. Très bien. D'accord ? Entendu. Allez, c'est parti. Bonne chance. Merci. Timidité. T-I-M-I-D-I-T-E. Poubelle, P-O-U-B-E-2-L-E. Préféré, P-R-E-F-E-R-E-R. Peintre, P-E-I-N-T-R-E-S. Pimbèche, P-I-M-B-E-C-H-E. Boulet, B-O-U, pardon, B-O-U-L-A-I-E-S.
Brigade, B-R-I-G-A-D-E-S. Brassard, B-R-A-2-S-A-R-D. Blessure, B-L-E-2-S-U-R-E. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E. Compteur, C-O-N-T-E-U-R-S. Consulat, C-O-N-S-U-L-A-T. Malouine, M-A-L-O-U-I-N-E. Mignonne, M-I-G-N-O-2-N-E. Douanier, D-O-U-A-N-I-E-R. Dentiste, D-E-N-T-I-S-T-E. Dynastie, D-Y-N-A-S-T-I-E. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E. Franchi, F-R-A-N-C-H-I-S. Félicité, F-E-L-I-C-I-T-E. Félicité, F-E-L-I-C-I-T-E. Aoutien, A-O-U-T-I-E-N-S. Accordé, A-2-C-O-R-D-E-R. Absence, A-B-S-E-N-C-E-S. Abstenu, A-B-S-T-E-N-U-E. Absinthe, A-B-S-Y-N-T-H-E. Non, un I. Ah zut. Mince, c'était ça. Ouais. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E. Rentable, R-E-N-T-A-B-L-E. Robinet, R-O-B-I-N-E-T-S. Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N. Et bon, on va s'arrêter là. Eh oui, eh oui. 8 mots sur 10. Ben, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on pensait que vous iriez plus loin. Mais l'absinthe. Ouais, l'absinthe. Dommage. Vous avez mis le Y, ouais. Alors, il fallait jouer plus simple, tout simplement. C'est ça. Allez, on vous applaudit très très fort. Séverine, Sandrine, c'est pas mal, hein. Et puis les petites erreurs qui vous font perdre c'est une ligne. Oui, et les secondes qui défilent par la suite. Exactement. Bon, ben, il y avait 3000 euros à gagner, mais comme vous revenez. Sandrine, Séverine, eh ben, il y aura 1000 euros de plus la prochaine fois. Vous jouerez pour 4000 euros et nous passerons encore un moment formidable. Absolument. J'espère que ça vous a plu. Alors si ça vous a plu, eh bien, reprenez-en encore. Voilà. Et revenez la prochaine fois. On sera ravis de jouer avec vous. Passez une excellente journée. Pour continuer de jouer à Motus, vous entraînez ou défiez vos amis, retrouvez nos applications sur votre mobile ou votre tablette.